Salut à tous, on se retrouve ce soir pour la guidance de la pierre de soleil. Donc c'est la deuxième canalisation pour les événements à venir. Je n'ai pas encore battu les cartes pour rappel. Il s'agit d'un tirage général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Donc, voilà. Pour les personnes qui souhaitent des guidances privées, vous avez la possibilité de m'envoyer un message à l'adresse mail qui sera dans la description. Et je vous enverrai les modalités, le lien de paiement et une date de rendez-vous téléphonique pour la guidance. Bon, on va commencer pour voir ce qui vous attend. Ce qui vous attend pour cette pierre de soleil. Donc je rappelle les événements concernés, ça s'appelle les prochains jours. Prochaine semaine ou prochain mois, à la date à laquelle vous regardez la vidéo. Oula, une carte qui a sauté. Alors, pour les personnes de ce tas, donc je ressens que vous avez fait une rencontre il n'y a pas très longtemps de ça. Alors, pour certains, j'ai la sensation que ça remonte à l'hiver dernier. Alors, moi, j'ai la sensation que lorsque vous avez rencontré cette personne, que cette personne n'était pas libre, donc déjà en couple. Et que vous avez amorcé cette relation par une amitié. Moi, j'ai la sensation aussi hein, que par le passé, ça faisait un moment que vous étiez seul. Moi, je ressens un homme plus âgé. Je ressens un homme plus âgé. Et j'ai la sensation aussi que c'est une relation qui vous a été envoyée par le ciel aussi. Et que cette relation a eu chez vous un, comment dire, vous a bouleversé. J'ai la sensation que cette histoire vous a bouleversé. Alors moi je vois pour certains, que la situation va être un peu bloquée. Et que certains vont prendre la décision de se détacher de cette relation. Moi, j'ai la sensation qu'il y a des difficultés par rapport à l'entourage de cette personne, par rapport à ses proches. Parce que j'ai la sensation qu'on l'incite à faire des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour elle. J'ai cette sensation qu'on lui monte la tête. Et du coup, je vois certaines personnes, enfin les personnes qui regardent la vidéo, dans l'incompréhension de ce qui se passe. On vous dit quand même d'avoir confiance.
De toute façon, je ressens qu'on vous guide. Hein. Je ressens que vous avez des personnes, j'allais dire, dans l'au-delà, dans l'au-delà qui vous donnent des messages, qui vous disent de garder patience et de garder espoir. Là, je ressens qu'il y aura quand même une évolution sur l'automne. Je sens que cette personne va se délester de certaines choses sur l'automne. Je vais regarder avec l'autre jeu ce qu'on nous donne. Alors, si ce sont des informations complémentaires ou peut-être d'autres événements. Moi, j'ai la sensation que une femme a eu l'inconvénient de faire un choix entre deux hommes. Est-ce vraiment un inconvénient? Donc, je continue à battre les cartes. Là, je ressens, hein, c'est des parents décédés qui veillent sur vous. J'ai la sensation aussi pour les personnes qui regardent la vidéo que vous vivez seul. Et j'ai la sensation aussi qu'on a essayé de vous attaquer très récemment chez vous. Alors, je ne précise pas, mais bon, on sait de quoi je parle. Hein. Voilà. Moi, j'ai la sensation que c'est une rivale. Une rivale. Donc parmi ces deux hommes, hein, j'ai la sensation qu'on a essayé de vous nuire par le biais de sortilèges. Mais moi je vois par rapport au choix que vous allez faire que c'est, comment dire, une relation solide où il y a beaucoup d'amour. Vous voyez, beaucoup d'amour, et on ressort la carte du couple. Carte du couple avec la protection. Donc pour moi, il n'y a pas de souci à se faire. Je vais regarder avec un autre jeu si on a d'autres informations par rapport aux événements à venir. Alors moi je ressens par rapport aux personnes qui regardent la vidéo qu'il y a eu pas mal de blocages dans votre vie. Hein. Et que c'est seulement très récemment que vous avez commencé à voir le bout du tunnel. Hein. Alors, on vous demande encore de patienter avant que les choses puissent se débloquer complètement. Parce que pour moi, il y a des obstacles,
mais qui sont complètement indépendants de votre volonté. Moi, je ressens aussi que pour certaines personnes, on a essayé de mettre en place ou on va mettre en place un nouveau projet et que ce projet-là sera couronné de succès et c'est quelque chose qui va vous apporter une grande joie, beaucoup de plaisir. Moi, je vois une construction. Bon, ça prendra un petit peu de temps, mais ça va se faire. Ça va se faire. On dit aussi qu'il faut que vous vous reposiez. Que vous vous reposiez et que vous fassiez attention à votre alimentation. Avec ces cartes. Voilà ce que je peux vous dire pour cette guidance de la pierre de soleil. Donc voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi pour recevoir les prochains tirages. À partager aussi, ça peut intéresser des personnes de votre entourage. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt.